5 ans, voilà. Lily, c'est une histoire de dingue. Tu l'as toujours trouvé limite repoussant et bon pour l'asile. Et c'est une des choses que j'aimais le plus chez toi. Non, je disais surtout ça pour te faire plaisir, tu sais. Alors qu'à l'intérieur, je me disais... Il est mignon, en fait. Oh, écoute, c'est pas la fin du monde. Il te laisse repasser la conduite dans 2 semaines. Oui, je sais bien. Seulement, je trouve que c'est pas juste. Ce qui me console dans tout ça, c'est que t'es la seule à qui j'ai confié que j'allais passer la conduite. Oui, Tim, je suis vraiment désolé, vieux. Je me réjouissais de t'accompagner sur ton album, mais il faut que je conduise mon bébé en urgence chez le dentiste cet après-midi. Ouais, d'accord, je te rappelle. Au revoir. Stupide paire de sandales. S'il te plaît, achète-moi. C'est vrai, je suis pas donnée, mais je suis trop jolie. Je devrais t'enfermer un mois dans le dressing pour que tu réfléchisses à ce que t'as fait, espèce de sandale tentatrice. Tiens donc. Arrête, tonton. Et donc, tandis que vous, les futurs dirigeants de l'Amérique, serez à Washington, ma ville, n'oubliez pas que tous les hommes naissent égaux, dites toujours la vérité, et lorsque vous optez pour un costume, vérifiez toujours la taille. Rappel. Bah, l'audition a eu lieu il y a tout juste une heure. Oui, mais c'est Rob Reiner, Princesse Bride, quand Harry rencontre Sally, et là, il va diriger le prochain Indiana Jones. Est-ce que tu te rends compte? Anna Montana dans le rôle d'Indiana Johanny. Je fais tout ce que je peux pour éviter les problèmes. Je fréquente pas les stars qui font de la provoque. Je surveille mon langage tout le temps. Et voilà que tu viens faire éruption dans ma vie. Espèce d'ignoble légume. D'accord, Tina. Tâche de te remettre au plus vite. Oh, c'est vrai. Tu vois une licorne qui vole autour de ta chambre. Super, ça doit être un joli spectacle. Ouais. Oh, écoute, il faut que je te laisse maintenant. Mais je te rappelle, prends soin de toi. Allez, au revoir. Nous avons une conversation de la plus haute importance à finir, jeune homme. Si jamais tu réussis à tricher, n'oublie pas une chose. Quoi que tu fasses, je t'aurai toujours à l'œil. Ça fait 2 heures qu'ils sont partis. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Je crois que je sais pourquoi. Le médecin n'a jamais vu un cerveau aussi petit que celui de Jackson et il veut sûrement faire des expériences pour l'étudier. À mon avis, il va le mettre dans un bocal. Eh ben ça, on peut dire que c'est une charmante façon d'accueillir votre mamoune. On verra dans quel état vous serez quand vous aurez mon âge après avoir été coincé dans un avion entre un vieux loufoque malodorant qui veut vous faire du pied et un gamin de 4 ans romand qui n'arrête pas de vous taper sur la tête avec sa brique de jus de fruits. Bon, et mon canin alors? Mamoune. Je crois qu'on devrait le dire à Miley. Et moi, je suis certain que ça va la mettre en run, Lily Pop. Salut, Miley. Ah, Gabi. Salut. Je t'avais même pas vu venir. Tu vas où, là? Tu vas là. Et donc... T'allais en colonie de vacances avec... Avec Lily. Ouais, bon, si tu veux. Oui, Lily était la seule à être gentille avec moi. À l'époque, j'étais maigrichon et pas très mignon. Waouh, les années ont été plutôt généreuses avec toi. Oh yeah. Wow. Oups. Erreur d'étage. Hé, hey, pas si vite, le tombeur. On peut dire qu'on s'amuse comme des petits fous, hein, les jeunes. Oh non, non, attendez, je voulais pas appuyer sur ce bouton-là. Je voulais... Ah, il est très, très mauvais, hein. Très, très mauvais. Et voilà notre premier appel. T'es nul. Merci d'avoir appelé. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Ça va. J'avais l'intention de vous le dire, mais franchement, après tout ce que Jake et moi nous avons traversé, je savais très bien ce que tu me dirais. Tu es en train de faire la plus belle bêtise de toute ta vie. Oh, j'en reviens
pas, Miley. Cette fois, ça y est, tout a fini par s'arranger pour nous. Ça y est. Miley, on a cherché partout et tout ce qu'on a trouvé, ce sont des traces de pattes de rat dans mes produits de maquillage. C'est répugnant et aussi tellement mignon. Ma chaîne n'est pas dans la bonde. Mais je crois que le Yeti a occupé cette chambre avant nous. Vu la chute qu'elle a faite, j'arrive pas à croire qu'elle se soit fracturée que la cheville. Ça, c'est un plaquage. Ouais, mange le gazon, Tony Romo. J'aurais mieux fait de le laisser à la maison avec des croquettes et un bol d'eau. Semaine. Parfait. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange avarié. Jackson? Hein, quoi? Quelle crevette? Donne-moi ça, allez. Oh, mais tu as vu ce qu'elle a dit à propos de moi? Je pourrais en mettre dans ses poches. Jackson. Dans ses chaussures. Jackson. D'accord. Oui, tu as ma parole, qu'Anna viendra demain. Super. À cause de ta vieille guimbarde, j'étais obligé d'annuler une séance de photos très importante pour la carrière de Miley. Que veux-tu que je fasse? Tu peux me le dire? Que je mette une bonne fessée à Loretta et que j'envoie au garage en la privant de dîner? À mon avis, il vaut mieux l'achever, l'empailler et la mettre au-dessus de la cheminée. J'ai entendu, je te signale. Je voulais dire, je suis content que ton voyage ne t'ait pas achevé et que tu ne sois pas sur la paille. Et pour la cheminée... L'antenne dans 30 secondes, les amis. Surprise! Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il se présentait? Tout simplement parce que t'aurais dit qu'il pouvait pas participer. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Génial, alors on se comprend? Non, je comprends rien du tout. Tu vas comprendre et tu vas me pardonner parce qu'il va vraiment être excellent et tu vas voir que t'avais pas de bilan de fer. Et avec un petit peu de chance, maintenant le réalisateur va dire... On reprend dans 10 secondes. Merci beaucoup. Hé, tu veux savoir, un de ces jours, Lily, tu vas te retrouver à bout de souffle et c'est moi qui débiterai mes propres phrases sans virgule, ni point, ni ponctuation, quelle qu'elle soit. Waouh, waouh. Oh là, oh là, oh là, oh, 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 oh. Du calme, s'il vous plaît, laissez cette femme parler. Je suis sûr qu'elle va nous donner une solution de rechange pour nous sortir de là. Mais oui, mon père a raison, c'est vrai, on est tous dans le même cas. Sauf que s'il n'y a qu'un seul siège et... ça, comme récompense. On se comprend, hein? Votre attention, mesdames et messieurs. Le seul autre vol à destination de Los Angeles ce soir part de Tucson. Donc, je vous prie de vous diriger vers la station de taxi en essayant d'éviter toute bousculade. Vous auriez au moins pu nous le dire d'abord. Et vous auriez au moins pu me donner plus de 20 dollars. Tu peux voler! Tu peux voler! Salut les filles! Alors Lily, cette première journée de boulot? À ce qu'il paraît, Oliver et toi, vous économisez pour vous payer une voiture. Ok, quelqu'un veut un sandwich? Fais pas attention, il était livré avec la maison. Tu pars vivre à Atlanta? T'es ma meilleure amie et tu pars à Atlanta? T'as pas le droit, Lily! Oui, je sais bien, entre nous, ça va être ARPDB! Ça veut dire au revoir pour de bon? Oh. Yeah, yeah, yeah. Je te promets, ce rêve paraissait trop réel. Il arrêtait pas de dire « J'ai besoin de toi, Miley !» Et je suis certaine que c'est exactement ce que Blue Jean dirait si jamais je lui manquais. Ah, c'est curieux. J'aurais dit que Blue Jean avait plutôt une voix comme celle de Clint Eastwood. Vas-y, petite, mets-moi de l'avoine. Waouh, le niveau de l'imitation, c'est assez moyen. T'as pas entendu son Spock? Il serait parfaitement illogique et inconséquent de votre part de vous imaginer que je ne vous entends pas parler en étant à cette distance. Terminé. Est-ce que c'est parce que tu t'inquiètes pour Blue Jean? Oui, mais c'est pas la seule chose.
En fait, je l'ai fait venir chez nous parce que j'ai cru que c'est moi qui lui manquais, mais hier soir, j'ai réalisé que c'est moi qui me languissais du Tennessee. Laisse-moi deviner, c'est ton cheval qui parle qui t'a révélé tout ça, hein? Papa, je vais pas me laisser influencer par un cheval qui parle pour une décision aussi importante. J'ai discuté avec lui jusqu'à ce qu'il comprenne. De toute façon, comme tu le sais, on n'a jamais le dernier mot avec moi. Ah yes,